Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant qu'on parte sur la présentation des petits jeux, je tiens juste à préciser que c'est des petits jeux que j'ai achetés ce matin en vide-grenier, juste avant de partir au travail, qui veut dire que je suis allé très 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 tôt et je peux vous dire que j'ai fait des belles trouvailles. Par contre, à mon avis, je pense que j'étais un des chanceux parce que quand je vais vous présenter ce que j'ai trouvé, franchement, vous allez être impressionnés et surtout que j'en ai eu à peu près pour une centaine d'euros. Mais je suis vraiment pas du tout déçu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu, à laisser le petit commentaire et bien entendu à vous abonner. Et je vous dis à tout de suite sur la présentation des petits jeux. Alors, pour commencer, bien entendu, pour commencer, j'ai rentré deux jeux PS1. Quand je les ai vus, franchement, je me suis dit, ouh, je vais me les prendre. Même si il n'y en a que un que j'ai fait et que je ne sais plus trop c'est lequel. Peut-être dans les commentaires, vous allez peut-être me dire, quand je vous dirai à peu près c'était quoi l'histoire du jeu. Mais dans les deux cas, j'ai rentré les deux Final Fantasy, le 7 et le 8 sur PlayStation 1. Ils sont. Alors par contre, j'ai l'impression que c'est des. Bah, c'est même pas une impression, c'est des Platinum. C'est des Platinum, franchement. Et sincèrement, je ne regrette pas mon achat. Ils sont complets, les deux jeux. Hop, oula, attendez, pas faire de bêtises. Yep, j'avais aussi la notice. Et l'autre côté. Et franchement, quand je les ai vus, j'ai pas du tout, mais pas du tout regretté mon achat. Surtout qu'en plus, le mec a été super cool. Il me les a fait pour les deux 10 euros. Il m'a fait les deux 10 euros. Bon, par contre, la boîte est légèrement un peu cassée. Dans celui du 8, mais aussi non, le 8 pareil, il est complet. Les 4 CD, plus bien entendu la notice si j'arrive à la sortir. Oui, c'est bon, j'y arrive. Allez, hop, voilà la notice et les deux autres CD. Et franchement, je les ai pas encore testés puisque je les ai achetés ce matin et j'ai été au travail juste après. Mais franchement, je regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Et franchement, pour 10 euros les deux, moi je trouve que c'est une bonne affaire. Surtout qu'à mon avis, je pense que ça vaut un peu plus cher. J'ai pas encore regardé les prix sur internet. Dans les deux cas, c'est pour ma collection. Donc, qu'il coûte cher ou pas cher, tant que 10 euros, ça reste une bonne affaire. Et je pense que oui, je suis pas du tout déçu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des deux petits Final Fantasy. Donc, du coup, du 7 et du 8, bien entendu. Ensuite, j'ai trouvé aussi sur PlayStation 2, bien entendu, j'ai trouvé Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Alors, c'est un jeu, franchement, en plus, il est complet. Il est complet, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu, en fait, que j'avais déjà fait sur PlayStation 2, ouais, je crois bien, ou peut-être sur GameCube, j'ai un petit doute. Mais dans les deux cas, c'est un jeu en fait que j'avais déjà essayé il y a longtemps et que j'avais bien aimé. Après, je vais pas vous cacher, je ne me souviens plus du tout de l'histoire, mais je sais dans mes souvenirs qu'il était plutôt cool. Et là, il y a aussi un petit jeu que je suis à la recherche, c'est La Momie sur PlayStation 2. J'espère avoir la chance de le trouver à l'occasion. Mais en tout cas, le jeu, il a pas l'air abîmé. Bon, il a des micro-rayures, mais on va pas s'en plaindre. Et franchement. Franchement, il m'a coûté à peine 2 euros, donc celui-ci. Donc, franchement, j'ai pas à me plaindre. Entre les Final Fantasy et celui-ci, ça nous fait à peine 12 euros. 12. Et franchement, non, je regrette pas du tout. En plus, la boîte est propre, même si plus tard, elle sera bien entendu désinfectée avec de l'essence F. Mais en tout cas, non, le jeu est en très bon état, mais très propre. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Franchement, PlayStation 2, je ne regrette pas. Et ensuite. 5 petits jeux que j'ai rentrés pour 50 euros. Et là, je pense que dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si franchement c'est une bonne affaire. Franchement, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai rentré 5 petits jeux de GameCube. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. On part, bien entendu, pour commencer sur Sonic Adventure 2 Battle. Sur GameCube, alors, le jeu est complet. CD plus notice. CD plus notice. Et franchement, c'est un jeu que j'ai eu. Déjà dans mon enfance, quand j'ai eu la GameCube pour la première fois, c'est un jeu que j'ai eu la chance d'avoir. Et je sais que dans mes souvenirs, je m'étais bien amusé.
Après, l'histoire, je m'en souviens plus trop parce que ça remonte à très 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 longtemps. Mais en tout cas, je sais que dans mes souvenirs, c'était quand même un bon jeu où je pouvais bien m'amuser. Et franchement, je ne regrette pas du tout parce que ben, je sens que je vais me prendre plaisir d'y rejouer. En plus, je crois que le CD n'était pas abîmé. J'ai vite fait regarder. Ouais. Le CD n'est pas du tout abîmé, mais franchement, non, je ne regrette pas mon achat. Ensuite, deuxième petit jeu sur les 5 que j'ai rentré. J'ai rentré Need for Speed Carbon. Need for Speed Carbon. Alors par contre, lui, il n'est pas complet. Malheureusement, il n'y a que le CD. Il n'y a que le CD et en plus, je ne les ai pas encore testés, donc je ne sais même pas s'il fonctionne. Puisque je les ai achetés ce matin avant d'aller travailler et j'ai pas eu la chance encore de les essayer. Mais en tout cas, le CD n'a pas l'air abîmé. Il y a des petites micro-rayures, mais pas trop non plus. Pas à s'en plaindre, quoi. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant parce que là, par contre, ces trois-là, j'ai eu la chance déjà de les avoir quand j'avais eu ma console, quand j'étais plutôt jeune. Il y en a encore un quatrième que je recherche, que j'espère à l'occasion de tomber dessus. Pour commencer, j'ai rentré, bien entendu, Super Mario Bros. Melee. Alors, celui-ci, je peux vous dire que j'ai beaucoup de souvenirs avec ce jeu. J'ai vraiment énormément de souvenirs des soirées que j'ai passées avec, comme on dit, les copains à se bastonner, à pouvoir utiliser en plus plusieurs personnages du monde Mario, qui veut dire Bowser, Mario, Luigi, la princesse. Il y avait d'autres qui, il y avait le petit Yoshi aussi, je crois bien, je dis pas de bêtises. Il y avait Metroid aussi, et franchement, et Pikachu aussi, parce que je vois sur la jaquette qu'il y a Pikachu et Zelda. Il y a aussi Kirby, et franchement, le jeu est complet. Il y a la notice et le CD. Et franchement, je regrette pas quand j'ai vu qu'il était dedans. J'ai dit, ouh, pour 50 euros. Surtout que vous allez voir juste après ce que j'ai rentré en plus. Et franchement, je regrette pas du tout. Il y a aussi Star Fox Adventure sur GameCube que je recherche. Du coup, quatrième petit jeu que j'ai rentré, bien entendu. Alors, par contre, vous m'expliquez pourquoi la boîte est rouge. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rentré Mario Kart Double Dash. Le jeu. Et pareil, il est complet. Il est complet le jeu. L'état du CD, j'ai même pas vérifié en plus, parce que je vais pas vous cacher, c'était vraiment en mode speed en fait. Je voulais le faire pour pouvoir vous présenter mes titres entrées et du coup, ben, j'ai pas dû traîner. Le jeu a l'air d'être en bon état. Je dirais peut-être qu'il va peut-être avoir du mal, je sais pas, à essayer. Mais en tout cas, il est complet, comme vous pouvez le voir. Notice, puis ce jeu. Alors lui aussi, c'est un jeu que ben, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Parce qu'il est quand même sorti sur Switch et aussi sur la Wii, la Wii U. Mais bon, dans les deux cas, c'était super cool parce qu'en gros, on pouvait incarner deux personnages à la suite, qui veut dire celui qui jette les objets et celui qui conduit. Mais en tout cas, Mario Kart, je ne regrette pas du tout, lui aussi. Il va faire partie de ma petite collection, que un peu plus tard, je vous présenterai bien entendu toute ma collection en entière quand les étagères seront installées et que tout sera en place. Mais en tout cas, je ne regrette pas. Il y a juste une chose, c'est que je comprends pas pourquoi la jaquette, le boîtier est rouge. Donc, est-ce que la personne n'a pas changé tout simplement de boîtier? Ou est-ce que c'est une version totalement différente? Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi le boîtier est rouge. S'il vous plaît. Moi, je suis preneur parce que je ne sais pas pourquoi. Et du coup, pour finir, et en plus, je suis actuellement en train de vous le faire en let's play sur l'autre chaîne. Vous avez le lien juste ici, sur la chaîne Michael Game, ma chaîne principale. Et en tout cas, on arrive bientôt à 1200 abonnés. Donc, encore merci. Merci beaucoup. J'ai rentré Super Mario Sunshine. Alors lui par contre, quand j'ai vu qu'il faisait partie du lot, je ne vais pas vous cacher que j'étais vraiment content parce que j'étais actuellement en train de vous le faire avec un émulateur parce que je ne l'avais pas. Et là franchement, je ne regrette pas. En plus, il est complet. Notice. Petit CD. Ça aussi, c'est un jeu qui a, on va dire, pas bercé mon enfance, mais où franchement, j'ai adoré. Surtout qu'en plus l'histoire était cool parce qu'au début on incarnait Mario qui partait tranquillement à vacances avec la princesse Daisy, si je dis pas de bêtises, et le vieux champignon, je ne sais plus comment il s'appelle à chaque fois, j'ai un trou de mémoire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment il s'appelle. Mais en tout cas c'était super cool parce que bah, la petite princesse voit bien entendu un autre Mario, tout bleu. Pourquoi il est bleu, j'en sais rien du tout, je sais même plus pourquoi, je sais même plus c'est qui, si c'est vraiment Mario ou quelqu'un d'autre. Et en gros, bah, vous débarquez, vous êtes... On vous accuse bien entendu d'avoir pourri l'île où vous partez actuellement en vacances. Et du coup, ben,
par comme punition au lieu de finir en prison, vous avez la chance d'avoir un petit objet hop, sur le dos. Et grâce à ça, vous nettoyez toute la peinture que l'autre Mario, du coup le Mario méchant, répand sur toute l'île. Et votre but, c'est de les nettoyer, de partir à la chasse à l'anti-Mario, comme je dirais. Et franchement, c'est un jeu que j'avais déjà adoré quand j'étais gamin. Et c'est un jeu que je vais m'amuser à refaire sur GameCube quand, bien entendu, j'aurai terminé de le faire sur émulateur. Après, il y a beaucoup d'autres jeux que j'avais adoré quand j'étais gosse et que je recherche actuellement. Il y a Star Fox Adventure aussi, Metroid. Il y a quoi d'autre? Bon, en tout cas, il y a plein d'autres jeux que j'avais vraiment adoré et que j'espère en tout cas un jour y mettre la main dessus et vous les présenter. Il y a aussi Luigi Mansion. Alors ça par contre, c'est un jeu que j'ai vraiment, mais vraiment adoré. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite rentrée. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite rentrée. Et si elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like pour le petit soutien. Et bien entendu, à vous abonner pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo rentrée magasin ou bien entendu vide-grenier. Mais les vide-greniers sont plus le week-end parce que de mon côté, les vide-greniers sont plus le samedi ou le dimanche que le reste de la semaine. D'où la raison pourquoi que la semaine, je vous présente bien entendu des vidéos magasin. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!